Professeur Fauzi-Dérard, bonjour. Bonjour. Alors, la situation épidémiologique au vu, bien sûr, de la propagation de l'Omicron, est-ce qu'elle commence à inquiéter aujourd'hui sérieusement, professeur Fauzi-Dérard? Oui, en fait, quand on regarde ce qui se passe actuellement dans le monde, on fait face à une très très forte vague dans le monde. Et en Algérie, avec le variant Delta, nous enregistrons une hausse du nombre des cas qui est perceptible sur le résultat et aussi sur les cas d'hospitalisation qui sont en nette augmentation les dernières semaines. Le pic de la contamination se fera ressentir pendant ce mois de janvier, mois de février éventuellement, tel que vous l'avez déjà déclaré auparavant, professeur Fauzi-Dérard. Difficile à dire pour la simple raison que, comme vous le savez, le taux de vaccination actuellement est faible, on l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas le taux de vaccination idéal, et ce taux de vaccination faible a un impact direct sur le profil épidémiologique actuel. Je m'explique, c'est que quand le taux de vaccination est élevé, vous avez un pic qui arrive rapidement et vous avez une contraction de la vague, ce qui fait des vagues épidémiques, ce que vous avez moins de cas. Or, quand le taux de vaccination est faible, il n'y a pas une contraction du pic, c'est-à-dire le pic tarde à venir, et vous avez une vague qui est longue dans le temps, ce qui fait que vous aurez enregistré plus de cas. C'est pour ça qu'on insiste toujours sur le taux de vaccination. Pour justement essayer, on voit dans les pays développés, une fois que la vague est là, le pic arrive rapidement, vous avez une contraction de la vague, vous n'avez pas autant de cas que chez les non-vaccinés. Je rappelle qu'une personne qui est vaccinée divise par 10 la probabilité d'être hospitalisée versus non-vaccinée. Mais le nombre de contaminations à l'Omicron est en hausse actuellement, puisque déjà on recense l'équivalent de 16 personnes. Oui, actuellement sur les activités de séquençage, on a à peu près maintenant 10, un peu plus de 10% de séquences du variant Omicron, ce qui fait qu'il est en évolution. Mais attention, gardons à l'esprit qu'actuellement, la hausse des cas qu'on observe les dernières semaines, puisqu'on est au-dessous de 300 cas, est essentiellement rythmée par le variant Delta. Mais quand vous dites pratiquement les 10% de contamination, c'est la propagation. C'est-à-dire les 10% sur l'ensemble des activités de séquençage actuellement, à peu près 10% représentent le variant Omicron, alors qu'on était à 1% au début. Donc ça évolue dans le temps. Faut-il élargir aussi les opérations de séquençage à travers tout le territoire national pour voir exactement si c'est l'Omicron qui est en train de prendre le dessus, puisqu'il est reconnu aujourd'hui, il est reconnu avéré qu'il est à forte contamination et rapidité de sa contamination par rapport au Delta? Moi, je pense que les activités de séquençage ne sont pas très simples. Un séquençage, il faut voir, c'est très compliqué, en matière de méthodologie et aussi en matière d'expertise dans la lecture des séquences, parce que c'est très très important. Et donc, dans un souci d'efficacité rapidement, il est très hasardeux de s'aventurer à parler de séquençage un peu partout. Mais entre parenthèses, rappelons que beaucoup de laboratoires de recherche, il y a pour tout de labos qui ont des séquenceurs, et donc il va falloir qu'ils le développent, mais il va falloir à côté, attention, il y a un environnement de cette plateforme, il y a la bioinformatique, il y a des ingénieurs bioinformaticiens qu'il faut qu'ils lisent, et c'est pas très très simple. Mais attention, moi pour moi, il faudrait d'abord qu'on ait un tissu de PCR, parce que c'est très très important qu'on puisse capter les cas pour faire du séquençage. Parce que si vous séquencez, vous n'arrivez pas à capter les cas par des PCR, ça ne sert à rien. Parce que rappelons-le qu'on fait un séquençage sur une PCR positive. Donc si vous n'avez pas un maillage de PCR qui vous ramène pour avoir une surveillance très très étroite, ce n'est pas la peine. Donc il faudra, à l'heure actuelle, que les laboratoires de PCR soient renforcés pour qu'on puisse faire de la PCR en maximum de gens, et aussi par PCR de criblage qui oriente vers les mutations de l'Omicron, et laisser actuellement l'activité de référence pour le séquençage, pour qu'on puisse mettre de l'ordre. Parce que, encore une fois, le séquençage n'est pas une activité simple, ça demande du temps. Les États-Unis ont lancé un programme national de séquençage pour les années à venir, donc il faudra être très très vigilant sur cela. Mais est-ce qu'il faut se préparer dès maintenant? Mais faut-il aussi élargir au laboratoire de recherche le séquençage? Ah, oui, pour cela, oui. Il faudrait bien sûr leur donner l'agrément du ministère de la Santé. Je vous dis tout de suite. Ils sont tributaires d'un agrément et d'une autorisation. Je vous dis tout de suite, il y a un laboratoire de recherche qui ont investi dessus, qui ont les appareils qu'il faut, mais qui ne marchent pas. Donc ça, il faut les faire marcher. Il faut les faire marcher, il faut former des gens. Et former des gens sur des activités telles que, par exemple, la bioinformatique, qui n'est pas encore une spécialité en Algérie. Donc il faudra faire très attention pour faire cette activité-là, qui nécessite un investissement en termes de ressources humaines et en termes financiers. Et ça demandera du temps.
on est en pleine vague, c'est pas maintenant que vous allez demander à des gens de se former sur une spécialité qui n'existe pas encore. Donc, actuellement, à l'Institut Pasteur, on dispose de la référence, de la ressource humaine nécessaire, on a l'expertise nécessaire, mais par contre, on peut déjà accompagner les laboratoires qui ont des séquenceurs pour faire cette activité-là. Et si on donne de la valeur, si on récupère les laboratoires qui font du séquençage, je pense qu'on sera dans les normes. Et on pourra bien sûr identifier les cas de contamination. Mais avec l'Omicron, est-ce qu'on est en pleine quatrième vague avec le Delta ou la cinquième vague? Parce que certains disent que la quatrième vague c'est le Delta, la cinquième c'est l'Omicron. Non, la vague n'a pas encore pour l'Omicron, on est au début. C'est-à-dire on commence à répertorier des cas d'une façon progressive, mais en hausse. On a des cas fortement suspects encore cette semaine. Mais actuellement, c'est le delta qui prime, puisque à peu près plus de 80% c'est du delta. Et la hausse qui est observée actuellement, qui est progressive, constante, est due au variant delta. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur les mesures barrières, sur le protocole sanitaire, sur la vaccination. Parce que, encore une fois, on ne s'en sortira pas sans la vaccination. Mais on est en train de relever aujourd'hui qu'il y a un véritable relâchement en matière, bien sûr, du respect des gestes barrières. Faut-il renforcer davantage aujourd'hui les mesures de contrôle, puisque maintenant, le pass vaccinal est entré en vigueur, oui. Adopté par le gouvernement. Excellente mesure. D'abord, elle est à temps et il faudra encore renforcer. Il faut d'abord que les gens appliquent concrètement ces mesures-là à leur niveau. Il ne faut pas qu'il y ait des passe-droits. Parce que un passe-droit, par exemple, on voit dans l'Omicron un passe-droit et vous avez toute une épidémie qui se déclenche parce que la transmission est très élevée. Donc, à nous de profiter de cette mesure-là pour la mettre en place le plus rapidement et d'une façon très, très rigoureuse pour bloquer la transmission, ou au moins diminuer, pas bloquer la transmission de l'Omicron plus tard. Parce que dès qu'on va finir par le variant Delta, on va avoir le variant Omicron qui va avoir juste par la suite un pic. Mais le pass vaccinal, comment s'assurer de son respect? Est-ce qu'il doit être élargi à toutes les institutions de la République et bien sûr où il y a une forte influence, même au niveau des entreprises par exemple, bien exiger sûr. Le pass vaccinal? C'est ça le principe qui a été instauré dans le communiqué du gouvernement, c'est de l'instaurer à tous les niveaux. Et texte est clair, là où il y a beaucoup de bandes, il va falloir l'appliquer. Et il va falloir l'appliquer sérieusement si on veut que les activités de l'État continuent. Parce qu'on le voit actuellement dans le monde, ça paralyse beaucoup de secteurs vitaux, et on est même en train de revenir sur certaines périodes de confinement pour assurer la pérennité de l'État. Et donc, toutes les institutions, les entreprises du monde, il faut absolument appliquer ce passe vaccinal. L'obligation, même à travers le monde, paralyser. Du port du masque, même dans la rue, actuellement. À travers le monde avec l'Omicron. Oui, je crois qu'on était les premiers à avoir une loi sur cela. Il faut qu'on l'applique parce qu'elle est là et il faut qu'on prenne conscience que la situation impose pour nous de respecter ces mesures-là, en plus de la vaccination, parce qu'on voit que les situations évoluent. On était il n'y a pas longtemps uniquement dans le variant Delta, maintenant on va vers un Omicron qui a une transmissibilité phénoménale. Et tous les scientifiques s'accordent à dire que peu de gens échapperont au variant Omicron par la suite. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'on dit que l'Omicron n'est pas aussi dangereux que le Delta. Est-ce que c'est le cas? Ou alors sur le plan scientifique, on ne connaît pas encore son développement? Oui, c'est encore préliminaire, ce n'est pas encore confirmé. Mais attention à l'interprétation des chiffres. Si on parle de pourcentage, ça va apparaître comme 50%, je crois, moins transmissible ou un peu plus que le Delta, mais attention, en termes de valeur absolue, vous allez avoir un nombre d'hospitalisations, ça c'est clair et net, et vous allez avoir une pression sur les systèmes hospitaliers. Vous allez avoir aussi des secteurs névralgiques qui vont être paralysés parce que l'effectif sera contaminé. Ah bien sûr, parce que quelqu'un qui est contaminé, avec l'Omicron, ça part encore plus. Donc, une personne peut contaminer jusqu'à 100 personnes. Et on a vu des cas comme ça actuellement, et ça, qui ont été décrits dans la littérature, et donc ça vous paralyse complètement un secteur. C'est pour cela qu'il va falloir être ferme sur les mesures barrières. Alors, ferme sur les mesures barrières avec le pass vaccinal, comment l'appliquer aujourd'hui et s'assurer de son application de façon effective au niveau des stades, par exemple, c'est appliqué aujourd'hui, au niveau des salles de fête, au niveau, par exemple, des espaces, de certains espaces de loisirs, mais pas à travers toutes les infrastructures. Par exemple, le commerce aujourd'hui, faut-il également instaurer l'obligation du pass vaccinal? Oh oui, professeur Fauzi Dera, les transports aussi.
Oui, moi. Là, aujourd'hui, on prend le train, on prend le bus, on prend le tramway, on prend le métro, sans exigence du pass vaccinal. Oui, la situation le démontre. Il faut l'élargir au maximum, si ce n'est à tout le monde, ce pass vaccinal, pour essayer de freiner l'évolution, d'abord, du variant Delta, et aussi d'avoir une moindre impact du variant Omicron pour la suite. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que ça va tellement très vite pour l'Omicron, on va le voir, que toutes les mesures qui tendent à freiner l'évolution sont bonnes. Et le vaccin est par ordre le premier facteur qui représentera une mesure barrière contre les différents variants, pas uniquement le Delta. Mais cette frilosité à la vaccination, est-ce qu'elle risque de compliquer davantage les choses, puisque moins de 11% de la population est vaccinée aujourd'hui, ah oui. Professeur Fauzi-Dera. Moi je le dis, je le redis. Si on veut en finir rapidement, et on voit dans les pays avec un taux de vaccination élevé, et surtout avec l'arrivée de l'Omicron, si on veut que n'importe quelle vague qui arrive, avec un pic qui est raccourci dans le temps, avec une vague qui va être très contractée, on s'en sort plus vite après la vague. Mais par contre, si on a une vaccination qui est très faible, on aura des difficultés d'abord à atteindre le pic, et d'abord que le pic va durer dans le temps. Et c'est pour cela que la vaccination est primordiale pour s'en sortir, comme je l'ai dit, et surtout pour le deuxième point, et on le voit aussi, surtout malheureusement, sur le continent africain, c'est que si dans les pays où le taux de vaccination est faible, ça représente un terrain de prédilection pour l'apparition de nouveaux variants, autres que le variant Delta ou l'Omicron. Donc, mais comment le taux de vaccination va conditionner la suite. Mais comment inciter à la vaccination? Comment pousser la population à aller se faire vacciner quand vous avez les vaccins qui sont disponibles et la population qui n'adhère pas? On dit toujours, il faut user de la pédagogie à des niveaux différents. Est-ce qu'il va falloir trouver d'autres moyens incitatifs? Oui, il faut expliquer que d'abord, une personne qui n'est pas vaccinée représente un danger pour la société en termes de sécurité sanitaire. Une personne qui n'est pas vaccinée met en danger tout le monde. Une personne qui n'est pas vaccinée, quelque part, est égoïste avec elle-même, parce qu'en réfléchissant à soi-même, malgré les théories qui sont inventées, mais elle oublie qu'elle fait partie d'un environnement dont elle peut être responsable, notamment la famille et les enfants que vous envoyez à l'école chaque jour. Donc tout cela fait que ces personnes-là non vaccinées vont représenter plus tard un fardeau en termes sanitaires pour la population. Parce qu'un variant ou un virus qui va rentrer dans une société ou dans un pays, au lieu de mettre rapidement, de trouver beaucoup de personnes vaccinées, ben, va trouver tellement de personnes non vaccinées qu'il va mettre du temps pour infecter tout le monde et va faire durer la vague épidémique dans le temps. Pour les sujets jeunes, 11-17 ans, faut-il aussi les vacciner? Puisque aujourd'hui, le comité scientifique a donné pratiquement son aval, mais ce n'est pas encore formel, c'est-à-dire. Ça n'a pas été encore formalisé officiellement. Ça reste volontaire, mais actuellement, et ça je le dis, avec la vague actuelle, même si vous vaccinez actuellement, il vous faudra un mois et demi pour avoir les bénéfices de cette vaccination. Ce qui est urgent à l'heure actuelle, ça se voit partout dans le monde, c'est la stricte application des mesures barrières, notamment le port de masque, même si c'est la frange de la population, pour stopper, parce qu'on voit que les enfants, surtout aux États-Unis, les enfants sont des super propagateurs de ces virus aussi, et donc il est extrêmement important que les mesures barrières s'appliquent aussi à cette frange de la population. Pour les écoliers, faut-il exiger le port du masque, même en classe, professeur Fauzi-Dera? Oui. Les enseignants, puisqu'il y a aussi une frilosité à la vaccination du personnel de l'éducation nationale, professeur Fauzi-Dera. Bien sûr, le port de masque est maintenant obligatoire pour tout le monde. En tout lieu et en tout moment. Oui, exactement. Pas de relâchement? Il ne faudrait pas qu'il y ait de relâchement, et avec le variant qui arrive, l'Omicron, avec une transmissibilité telle qu'elle est observée, il faudra porter les masques, y compris à l'extérieur, pour essayer de ne pas transmettre ce variant un peu partout. Mais est-ce qu'on pourrait s'acheminer vers des scénarios tels qu'on voit à l'étranger, par exemple, des 100 000 cas de contamination jour, 150 000 contaminations jour, parce qu'on a vu, les chiffres grimpent très vite, en une journée. L'Omicron, ça peut changer. L'Omicron qui est en Europe, c'est l'Omicron qui est aux États-Unis, c'est l'Omicron qui est en Algérie. Donc, nous a été importé aussi par des ressortissants algériens. On a été importé, ensuite on a eu des cas contacts, et la prochaine c'est la diffusion. Et donc il faut faire très très attention, parce qu'on pourra avoir des jours très compliqués si on n'adhère pas, encore une fois,
à la vaccination et surtout aux mesures barrières dans un effet immédiat. Mais les symptômes sont identiques aux symptômes grippaux? Oui, oui, c'est la même chose. Identique. Ça peut revêtir un rhume banal comme ça peut être une symptomatologie plus élevée. Et là, les sujets qui seront vaccinés seront plus protégés et si vous voulez, guériront plus vite que les sujets non vaccinés qui, eux, peuvent être hospitalisés et même aller en réanimation, malheureusement. Et vous voyez actuellement le nombre de décès quotidiens. Alors, professeur Fawzi Derra, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect particulier, c'est-à-dire dès qu'aujourd'hui il y a l'apparition des symptômes grippaux, il faut se faire tester automatiquement. Oui, oui, parce que beaucoup disent, non mais j'ai un petit rhume, hein, c'est rien, c'est une petite grippe, ou je suis allergique, voilà. Oui, alors, à l'heure actuelle, toute patient qui a des symptômes infectieux, là il faut faire un test, et c'est un Covid jusqu'à preuve du contraire. On est en pleine phase épidémique avec la forte vague un peu partout dans le monde, ben, il faudra d'abord éliminer un Covid-19. Les tests antigéniques sont-ils suffisamment efficaces aujourd'hui pour rassurer dans un premier temps? Ça c'est un point très important. Alors les tests antigéniques n'ont jamais eu la sensibilité des tests PCR, mais ils restent avec une grande valeur. Et on le voit, les premiers cas d'Omicron qu'on a détectés ici ont été détectés par des tests antigéniques au niveau de l'aéroport. Mais par contre, avec le variant Omicron, et ça a été publié par l'agence américaine FDA européenne, leur sensibilité est diminuée par rapport au virus Delta, variant Delta. Mais la stratégie est faite que des tests antigéniques qu'on réalise séquentiellement, c'est-à-dire qu'on répète dans le temps, on a 2 jours, 3 jours, et dans la semaine, vont avoir une valeur très très élevée pour la détection aussi de l'Omicron. Donc des tests antigéniques pris à part, en termes de sensibilité, a diminué par rapport à ce qui était auparavant. Mais si on répète ce test antigénique 2 ou 3 fois dans le temps, là, sa valeur augmente et on a une valeur ajoutée très très forte. Mais pour éviter bien sûr cette pression sur les tests, aussi bien les tests PCR au niveau des différents laboratoires à travers le territoire national, au niveau des hôpitaux également, qui sont où sont faits bien sûr ces tests PCR, bien sûr les tests antigéniques au niveau des pharmacies, qui restent quand même pour certains assez élevés pour pouvoir se faire dépister, est-ce qu'il faudrait aussi recourir aux tests rapides personnels, comme cela se fait à travers le monde? Oui. On est en train de le voir aujourd'hui. Oui, est-ce oui. qu'il faudrait y recourir massivement et les vendre dans oui, même oui. les grandes surfaces pour les rendre accessibles? Oui, je suis d'accord. Et moi, à l'Institut, on est en train de réfléchir pour l'acquisition des autotests. Et d'ailleurs, j'invite aussi les différents pharmaciens à essayer de l'importer. Mais il faudra d'abord, au niveau du comité, cadrer cela, parce qu'après, il faudra récupérer les cas positifs qui ont été détectés par autotests. Ça, c'est une autre question. Et donc, c'est un outil très, très important en termes de politique de dépistage. Mais à côté, il faudra faire un cadre pour essayer de notifier tous les cas qui seront détectés. Alors, je voudrais aborder avec vous certaines questions qui sont aujourd'hui soulevées ici et là qui semblent être un peu tabous pour les aborder, puisque vous avez cette réticence à la vaccination. Certains lient cette réticence à la vaccination. C'est une des questions de l'auditeur au fait qu'il y a possibilité de stérilité aussi bien pour les femmes que pour les hommes. C'est la raison pour laquelle il y a cette réticence à la vaccination. C'est une réticence pour des raisons strictement théoriques. Il n'y a pas de publication scientifique à l'heure où je vous parle qui parle de ces effets-là. On n'en a jamais entendu parler. Il n'y a pas eu de publication scientifique. Alors il faudrait s'adosser sur des raisonnements scientifiques pour y arriver. Mais il y a plus de 8 milliards de doses qui ont été administrées dans le monde. Il n'y a pas eu une publication dans les 4 coins du monde qui parle de stérilité ou qui parle des effets, qui reste théorique et qui reste l'apanage des réseaux sociaux. Maintenant, s'il y avait des cas comme ça, je ne vois pas pourquoi on les cacherait, mais encore une fois, toutes les raisons indiquent que cette vaccination est en train de faire sortir l'humanité de l'épidémie, on l'espère pour 2022. Ces palabres et toutes ces spéculations sur des effets secondaires sont de nature à faire durer l'épidémie parce qu'il est en train d'entraver la bonne marche de la vaccination qui est en train d'amener ses preuves dans les pays qui l'ont adopté fortement. Mais comment expliquer cette réticence du personnel de la santé à se faire vacciner aujourd'hui, professeur Fawzi Derra, pas face à cette situation? Pour certains corps, faut-il recourir à l'obligation de la vaccination comme cela s'est fait partout? Oui, à travers le monde entier. Je ne peux pas donner une explication claire, mais je suis pour. En France, en Angleterre, aux États-Unis,
en Chine, en Corée, au Japon, on peut énumérer tous les États où la vaccination pour le personnel de santé est devenue obligatoire. Oui, j'en fais partie du personnel de santé, donc c'est une situation très, très compliquée. Moi, je suis pour que la vaccination soit obligatoire chez le personnel de santé, parce que, encore une fois, l'hôpital est le lieu qui va prendre en charge tous les cas de Covid. Et si ces cas de Covid sont en hausse chez cette population, et notamment lors de la variante, quand on voit actuellement l'Omicron, ben vous allez paralyser le secteur de la santé qui, lui, joue un rôle primordial dans la riposte. Et donc, pour le protéger indirectement, il faudrait que le niveau de vaccination soit très élevé d'abord, pour assurer la pérennité de l'activité sanitaire. Alors, il y a actuellement une disponibilité de l'équivalent de 13 millions de doses qui ont été importées par l'Algérie, même dans les moments les plus difficiles, pour être aux côtés des citoyens, les préserver, puisque la santé relève des priorités absolues de l'État. Certains disent aujourd'hui que certaines doses sont arrivées à expiration. On parle pratiquement de 200 000 doses qui vont être détruites au niveau de certaines DSP, notamment Oran, comme pour l'AstraZeneca. C'est le cas ou pas le cas, professeur Fawzi Dera? Oui, mais c'est exagéré en termes de terme. Il y a eu quelques doses infimes qui ont été imprimées. C'était des doses justement qui étaient acquises par le système COVAX. Et c'était des doses qui avaient une certaine durée de validité qui était de 2-3 mois, courte. Et donc, il s'agit moins d'un millier de doses. Et donc, c'est exagéré puisque nous avons 13 millions de doses, dont la majorité encore du temps, pour 2022, certaines pour 2023. Et donc, ça a été apporté, mais je dément que ce chiffre soit réel puisque c'est nettement en deçà de ça. C'est-à-dire le chiffre réel que des vaccins qui vont être détruits, ça représente quel chiffre exactement, puisque vous démentez ce qui a été rapporté par la DSP? C'est moins de, oui, moins de 1000 doses. 1000. Moins de 1000, oui, je crois qu'en 2700. Et ces doses-là, encore une fois, n'ont pas été. 1000 ou 2000? Moins de 1000. On dit autour de 800, à peu près 700-800, qui ont été données dans le système, comme je l'ai dit tout à l'heure, gratuit du COVAX. Et ça fait partie aussi d'autres faces de la prévention, parce que la prévention n'a pas de prix. Et donc, on met tous les moyens pour que notre population soit vaccinée. Et malheureusement, chaque dose qui peut partir est un échec, puisqu'elle était destinée à une personne qui devait être vaccinée et qui ne l'a pas été. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, vous n'avez pas répondu sur la vaccination des 11-17 ans. Faut-il y recourir aujourd'hui rapidement, puisqu'on a vu que l'Omicron se propage très vite parmi le milieu des jeunes? L'urgence actuellement chez les enfants, c'est d'appliquer les mesures barrières telles que le port de masque rapidement et les mesures de distanciation, et plus mettre en place le protocole sanitaire comme s'il se doit à l'école. Parce qu'actuellement, les enfants, c'est des propagateurs surtout. Mais là où je reviens aussi, c'est les sujets adultes, c'est les sujets qui ont des tares, c'est les sujets qui ont des maladies chroniques, qui payent le lourd tribut, notamment à cause du variant Delta qui est en cours. Donc, pour la vaccination, il faudrait avoir beaucoup de temps. Et ceux qui veulent vacciner leur enfant, bien sûr, ils peuvent le faire actuellement. Ça reste une mesure qui est toujours en discussion au niveau du comité scientifique. Oui, mais ce n'est pas autorisé. Personne ne vaccinera tant qu'il n'y a pas eu l'aval du comité scientifique. Exact. Ça va se faire incessamment, puisque vous êtes aussi membre du comité scientifique. Oui. Et ça fait quelque temps déjà que vous aviez parlé de la nécessité de vacciner les sujets 17-11 ans. Oui, ça va se faire. Dans d'autres pays, on parle des 11-5 ans. En 5 ans, oui, ça n'a pas que le vaccin, notamment aux États-Unis, mais quand vous regardez actuellement dans l'Omicron, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, tout le focus, toute la concentration est sur les mesures, les ports de masques, notamment chez les populations, parce que c'est des propagateurs d'abord. Donc il faut casser la propagation par les moyens qui stoppent la circulation du virus immédiatement. La vaccination, vous allez la faire aujourd'hui, mais elle ne va pas stopper immédiatement, il faudra du temps. Or, on est en plein phase épidémique, et donc il faudra d'abord mettre en place ces mesures barrières dans les lieux publics, et notamment dans les écoles. Faut-il recourir au pass vaccinal au niveau des espaces commerciaux, par exemple, et les commerces, professeur Fawzi Dera, le mettre en vigueur, puisqu'on a autorisé la réouverture des salles de fête, les bars, les stations thermales, les restaurants et autres. Est-ce qu'il faudrait aussi exiger le pass sanitaire aussi bien pour ces espaces que pour les commerces? Sans hésitation, oui. Alors, comment instaurer et surtout contrôler le pass sanitaire au niveau de ces espaces? Comment faire?
contrôler chaque personne qui doit présenter son pass sanitaire. On n'a pas les moyens de contrôle, par exemple, si on a le code sur le téléphone. Ben écoutez, vous prenez tout votre temps pour payer, pour vous sortir de l'argent de votre portefeuille. Donc vous gardez sur vous un pass sanitaire, un certificat de vaccination, et vous l'exhibez quand vous rentrez. Oui, mais comment le contrôler, s'assurer de sa véracité, parce qu'il y a de faux passes. Alors, qui circulent actuellement. C'est pas la responsabilité. Est-ce qu'il va falloir ramener aussi du matériel adapté pour la vérification du pass vaccinal? Ben oui, d'abord. Certains disent on est en train de l'acheter, il coûte 50 000 dinars. Le faux pass sanitaire. Oui, ça, ça partout dans le monde. C'est une activité qui était florissante partout dans le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'appliquer. Mais il faudra mettre des garde-fous pour essayer d'éviter tous les dépassements dans ce cadre-là. Mais il ne faut pas faire en plus un fardeau pour les gens qui vont exiger le pass vaccinal pour protéger leurs clients. Cela, il faut leur faciliter en leur exhibant un certificat de vaccination ou un pass vaccinal qui lui permettra d'assurer la sécurité ou la santé des personnes qui sont dans son local. Alors, vous parlez de la sensibilisation pour inciter à la vaccination, mais vous avez toutefois des contradictions des médecins eux-mêmes qui parfois déconseillent aux malades de se faire vacciner. Quel est votre commentaire sur la question de l'auditeur, professeur Positera? Ben écoutez, la vaccination n'est pas... les bénéfices de la vaccination n'est pas... on ne va pas la recommander ici uniquement en Algérie. Moi, ce que je recommande aux gens, il y a des organismes internationaux, vous avez l'Organisation mondiale de la santé, vous avez le Centre de contrôle des maladies américaines, CDC, vous avez les institutions européennes qui sont des instituts forts, vous avez le CDC chinois, vous avez des instituts internationaux. Moi, je ne vois pas sur quelle base scientifique pure on va pas recommander la vaccination. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, 8 milliards de doses ont été administrées. Vous avez des pays qui sont arrivés à 80-90% du niveau de vaccination. Et on se pose la question en Algérie en disant qu'il ne faut pas se vacciner. Et quand on recommande à une personne de ne pas se vacciner, c'est comme si on lui dit « Attends un jour où vous allez être hospitalisé, vous êtes admis en réanimation, et si vous mourrez, ben, vous allez mourir, c'est le mektoub, et on attend et on évite cette vaccination. » Donc il faudrait bien réfléchir. Ces gens-là, si vous ne recommandez pas la vaccination, vous êtes en train de recommander aux patients de compter ce jour où il va passer en hospitalisation et il va passer en réanimation. Est-ce comme que ça pourrait être le cas pour le médecin lui-même? Bien sûr, on a vu des gens qui ont été anti-vaccins et qui sont décédés du Covid. Mais il est prouvé aujourd'hui que toutes les personnes, pratiquement quasi-majorité décédées, c'est des personnes non vaccinées. Oui, la majorité dans les pays, de santé. La majorité... dans les pays développés actuellement et dans les pays qui ont beaucoup de vaccinations, la majorité, l'écrasante, sont des patients qui ne sont pas vaccinés. Si vous allez dans les services de réanimation en cours, si vous allez faire le répertoire des gens qui sont décédés, la quasi écrasante majorité, c'est des personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut plus que ça pour convaincre les gens de la vaccination? Est-ce que l'Omicron n'est pas une opportunité pour développer ce qu'on appelle aujourd'hui une immunité collective, même si elle a échoué dans d'autres pays qui l'avaient adoptée auparavant, comme par exemple la Grande-Bretagne? Oui, et c'est pour ça que je parle de la vaccination. Imaginez-vous, je donne un chiffre comme ça, à partir d'exemple, imaginez-vous que sur une population de 100 millions d'habitants, vous allez avoir 95 millions qui soient vaccinés, vous avez 5 millions qui ne soient pas vaccinés. Alors, si cette population qui a un niveau de vaccination élevé, si vous avez une infection qui est légère comme l'Omicron, et bien vous allez avoir une immunité totale dans un espace de temps très court, parce qu'il y a peu de gens qui ne sont pas vaccinés. Mais si dans une population, dans un pays, vous avez sur les 100 millions, vous n'avez que 30 millions, ça veut dire 70 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, imaginez-vous le temps que prendra le variant Omicron pour infecter avec les risques d'une mutation en cours de route. Parce que maintenant se pose la question... Quel sera l'avenir d'une cohabitation, d'une co-infection entre le variant Delta et le variant Omicron? Donc toutes ces incertitudes vont se rajouter dans une population qui est démunie en absence de vaccination. Le pass vaccinal, c'est une sorte d'obligation à la vaccination, professeur Berin, de façon détournée, puisque même pour voyager, il nous est exigé aujourd'hui d'avoir le pass vaccinal. Moi, ça me paraît illogique. De se courir pour se vacciner parce que je ne vais voyager, mais par contre, quand il s'agit de protéger mes concitoyens qui vivent avec moi, je ne m'empresse pas à faire le vaccin. Et ma famille, je ne m'empresse pas à faire le vaccin. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette réflexion. Alors, une question de l'auditeur, professeur Fauzi Derard, quand on est vacciné en deux doses au Sinovac, peut-on avoir la troisième dose en Johnson & Johnson?
On parle de cette interchangeabilité des vaccins. Oui, l'essentiel, alors, l'essentiel, c'est d'avoir trois doses. Même si c'est Johnson Johnson, si c'est parce Johnson. Que Johnson and Johnson, c'est une seule dose. Oui, et en troisième dose, ça va rebooster l'immunité, ça va faire remonter l'immunité. On le voit dans l'Omicron actuellement, il y a des papiers qui vont sortir, qu'on a eu une baisse de la protection par les vaccins contre l'Omicron, et dans les pays qui ont adopté une troisième dose très tôt, on voit que les niveaux de protection sont repartis en hausse contre le variant Omicron, ce qui dénote que la dose de rappel est très importante pour faire face au variant Omicron aussi. Alors sur l'approche des statistiques qui sont communiquées au quotidien, sur le nombre de contaminations, le nombre de guérisons et le nombre malheureusement de décès, est-ce qu'il va falloir donner aussi parallèlement les personnes vaccinées guéries et les personnes décédées parce qu'elles n'ont pas été vaccinées? Est-ce qu'il faut donner cette spécificité pour inciter quelque part à la vaccination, professeur Fonzidera? Oui, la donner. Changer l'approche, donner aujourd'hui donner le nombre de décédés vaccinés. Oui. Ceux qui ne sont pas vaccinés, peut-être que ça va inciter encore davantage à la vaccination, puisqu'on a vu même dans nos familles, parmi nos proches, les personnes qui sont vaccinées aujourd'hui arrivent à s'en sortir, contrairement aux autres. Oui, je suis entièrement d'accord, c'est une donnée qui est très intéressante, mais la faire quotidiennement... C'est celle de l'auditeur qui est en train de la proposer. Oui, c'est une donnée, c'est une remarque très pertinente, mais la donner quotidiennement, c'est un peu compliqué à faire. Mais par contre, donner un aperçu général sur l'impact, c'est les vaccinés versus non vaccinés, peut être une donnée très intéressante pour regarder. D'ailleurs, on le voit de visu. Si vous allez dans les services de réanimation actuels, posez la question, qu'est-ce que vous recevez en réanimation? Il va vous dire, on reçoit pratiquement que les non-vaccinés. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui est radicale. Qu'est-ce qui empêche de décréter par ordonnance présidentielle l'obligation de se faire vacciner? La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est vrai. Il y a aujourd'hui un dilemme. Vous êtes vacciné, je suis vacciné, quelqu'un à côté qui n'est pas vacciné, il vous dit, moi je suis libre de ne pas me faire vacciner, quitte à vous contaminer. Oui, c'est très facile à dire. Bon, moi je ne suis pas le président de la République pour décider de ça, mais il y a des gens qui réfléchissent à ça, il y a des gens qui prennent des décisions en prenant en compte des différents paramètres qui sont d'abord à l'échelle mondiale et qui sont spécifiques au pays et qui décident après. Maintenant, il y a aussi un comité scientifique qui est en train de réfléchir sur ça. Mais attention, il y a une vie sociale, il y a une vie économique, il y a une reprise économique qui se déroule. Tout ça est rentré apparemment. On voit dans les pays maintenant développés un grand débat. On essaie de raccourcir la période de confinement. On joue avec la vie des gens. Alors que c'est des mesures qui s'adossent sur des principes aussi scientifiques. Parce qu'on voit que, par exemple, si vous ramenez en 10 jours, vous divisez la période de confinement en deux, ben la deuxième moitié ne sert pas beaucoup à grand-chose parce que la transmissibilité du virus est très faible à partir du cinquième jour. Donc on revient sur des périodes de confinement moins longues. On va dire, vous êtes en train de jouer parce qu'ils sont toujours positifs, mais non, mais la transmissibilité est plus faible. Et donc ça a un soubassement scientifique. Mais est-ce que les données économiques risquent aujourd'hui de changer la donne, orienter le monde à aller vers l'obligation de la vaccination, puisqu'on a vu certains secteurs névralgiques dans certains pays sont carrément à l'arrêt parce qu'il y a pratiquement 70% du personnel qui est aujourd'hui contaminé par l'Omicron et on a vu sa forte propagation et ça va être pratiquement le cas dans notre pays le prochain mois. Bien sûr, on se dirige vers cette tendance, on va y aller. Pour rentrer dans les pays, il faudra avoir un pass vaccinal. Parce que tous les efforts, que ce soit sanitaires, économiques ou stratégiques, ont été réalisés pour avoir des niveaux de vaccination maximal, optimal dans un pays. On ne va pas faire gâcher en introduisant des gens ou des personnes d'ailleurs qui ne sont pas vaccinées, qui sont potentiellement porteurs peut-être de nouveaux variants à l'avenir. Et donc c'est une mesure de sécurité sanitaire qui va s'appliquer dans beaucoup de pays à l'avenir. Alors, autre question de l'auditeur, professeur Fauzi Derar, que je voudrais aborder avec vous. La troisième dose aujourd'hui, est-ce qu'elle est devenue obligatoire pour essayer de se prémunir? Elle est fortement recommandée, surtout dans les personnes qui sont... D'abord, elle est recommandée à tout le monde, mais essentiellement surtout chez les personnes vulnérables qui ont des maladies chroniques. Il est absolument fondamental de rehausser le niveau de la protection immunitaire. Et rehausser le niveau de la protection immunitaire, c'est la troisième dose, la dose de rappel.
Alors, on parle de la mobilité sélective et le pass vaccinal entre dans cette catégorie, c'est le cas ou pas le cas? Bon, ça, c'est des aspects un peu politiques, professeur Fauzidra. Nous, on aborde des questions strictement sanitaires. Alors, aujourd'hui, professeur Fauzidra, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'interchangeabilité des vaccins. Certains vous disent, est-ce que ça ne risque pas par la suite de provoquer, par exemple, des préjudices sur le plan sanitaire? C'est le cas ou pas le cas? Absolument pas. On dit, on a fait du Sinovac. Puis après on va faire absolument pas les recommandations actuellement. Les grands organismes internationaux montrent que l'interchangeabilité augmente aussi la réponse immunitaire, surtout après la troisième dose. Même il y a des pays qui ont essayé d'expérimenter une quatrième dose. Parce que rappelons qu'on est dans l'épidémie et qu'actuellement on n'a pas encore avec certitude le régime vaccinal optimal pour stopper complètement le virus SARS-CoV-2. Alors justement, par rapport à cette question de la mobilité sélective, l'auditeur me répond, il me dit « Tout est une question politique ». C'est clair aussi que tout est une question politique dans le contexte actuel. Par contre, rentrer à l'hôpital ou décéder d'un Covid-19 n'est pas un problème politique. Alors, professeur Fauzidra, est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, le début de la propagation de l'Omicron dans notre pays, on risque de connaître un pic à la fin du mois de janvier, à la fin du mois de février? Quels sont vos pronostics aujourd'hui, vu sa large propagation? Les mêmes symptômes grippaux. Ça, c'est la science qui parle. Un variant qui est nouveau, qui a un fitness qui est très fort, avec une capacité de transmission phénoménale, arrivera à un pic de circulation du PIB des cas dans un temps qu'il faudra. C'est que le temps que le virus contamine le plus de personnes, il arrivera à un pic. Ça, c'est une question de temps. Est-ce qu'il y a eu des personnes décédées du variant Omicron jusque-là? En Algérie? Oui, en Algérie. Non. Non. Alors, professeur Fauzidra, je voudrais revenir aussi avec cette question sur la vaccination. Faut-il, par exemple, au niveau des entreprises, déjà prendre les mesures, reprendre les mesures barrières, c'est-à-dire protéger le personnel à tous les niveaux, éviter, par exemple, les regroupements, les réunions, et favoriser ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles méthodes de travail, le télétravail? Le communiqué du Premier ministère était clair. Et toutes les endroits... Mais on continue à maintenir les réunions. Hein. Oui, et ça fait la responsabilité du responsable d'entreprise. Vous avez maintenant un outil qui est très efficace, qui est le pass vaccinal. Il faudrait l'appliquer dans toute sa... L'exiger même au milieu d'entreprise? Bien sûr, il faut l'exiger pour essayer de freiner la contamination qui va venir et essayer de aussi, comme on l'a dit, ça c'est très important, d'assurer la pérennité de l'économie algérienne, le fonctionnement des entreprises algériennes, si on veut que ça ne rapporte pas un préjudice au système entier. En plus, on est en plein décollage de l'investissement et de la relance de l'économie. Exactement. Professeur Fauzidra, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, bien sûr, pour votre santé et votre sécurité. Portez vos masques et bonne année aussi, professeur Fauzidra. Bienvenue pour tous les Algériennes et les Algériens.